Dans un monde envahi par les pesticides, dominé par les monocultures et la production alimentaire de masse, la population oscille entre diabète, obésité, malnutrition et cancer colorectal. Les paysans n'ont plus de terre, les poissons sont en bâton et les enfants pensent que topinambour est une insulte moyenâgeuse. Face à ce triste tableau, il est urgent de mettre les mains dans le purin pour savoir de quoi sera faite demain l'alimentation des Bruxellois. Bonjour mes petites carottes. Eh oui, nous allons mettre les mains dans le purin et tâcher de comprendre les enjeux de l'alimentation durable à Bruxelles. En 2015, le ministère de l'Environnement lançait la stratégie Good Food, dont l'objectif est de préserver 100% des terres agricoles en ville, de réduire le gaspillage alimentaire et de proposer aux Bruxellois 30% de produits bio et locaux d'ici 2035. Un plan ambitieux, mais est-ce réalisable? Bienvenue ici au 16 Chaussal de Bruxelles Environnement. Nous allons essayer de percer les mystères de l'alimentation durable. Venez! Qu'est-ce que j'en dis de ville durable? Du foutage de gueule. Plus solidaire. Dans l'infini, quoi. Que le monde y soit mieux. Qu'on puisse mieux vivre. C'est seulement une question de pognon. Hein. On sait très bien les dangers que ça va causer, mais on s'en fout. Hein. Vous savez, c'est un peu comme Monsanto quand il a fusionné avec Bayer. Le gars qui fabrique tout ce qu'il faut pour tuer les gens et donner le cancer. Et de l'autre côté, la groupe pharmaceutique la plus forte au monde qui va créer les médicaments contre ces cancers-là. What the fuck? Monsanto, good morning. Bonjour. Nous menons une enquête en ce moment sur l'alimentation durable à Bruxelles et nous aimerions connaître le positionnement de Monsanto. Non, j'ai pas le temps pour le moment, madame, je suis désolée. Mais on a beaucoup de choses à faire ici en ce moment, donc c'est un peu difficile actuellement. Avec le fin d'année et tout ça, c'est un peu difficile. Ah, ils disent que c'est Noël, Claudine. Ouais. Merci. Joyeuses fêtes. Le dire, c'est bien. Durable. Mais le faire, c'est mieux. Le développement durable, c'était un mot qui est quand même fort venu d'un lobby un peu industriel pour presque donner des lignes de conduite aux pays du tiers-monde à l'époque. Quoi. C'était après 68, avec aussi les mouvements qui contestaient la société de consommation, tu vois, Et puis c'était aussi l'époque des gros chocs pétroliers, c'était l'époque de Tchernobyl, il y avait eu plein de catastrophes naturelles, tu vois. Enfin, c'était aussi l'entreprise BASF en Suisse qui avait explosé, qui avait déversé des produits chimiques dans tous les fleuves européens. Qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants de ce monde, à la fois industriel et politique? Ils ont créé un écran de fumée. Ils ont dit que c'était un écran de fumée vert. C'est le rapport Brundtland, le rapport du développement durable. Et ça nous promettait de concilier la croissance avec le respect des limites écologiques, un atterrissage en douceur pour notre mode de développement qui, de toute évidence, n'est pas soutenable. Ça, c'était en 87. On est maintenant en 2017. Et qu'est-ce que viennent de nous rappeler 15 000 scientifiques de haut vol de toute la planète? C'est qu'on a grillé, dépassé, franchi toutes les limites rouges. Donc maintenant, on est en urgence absolue. Le développement durable et son atterrissage en douceur n'ont pas eu lieu. Donc il faut éclater le développement durable et il faut passer à autre chose. On l'observe être un piège dans lequel on est tous tombés. Et en pratique, le développement durable, tout le monde l'utilise. Hein. C'est Porsche Cayenne, c'est Bayer Monsanto, et c'est la région bruxelloise avec des plans comme Good Food qui nous promettent une alimentation durable tout en bétonnant allègrement tous les derniers espaces verts bruxellois. Après avoir éclaté le développement durable, dans le prochain épisode, nous partons à la recherche des dernières terres agricoles à Bruxelles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hey, hey, hey. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.